Salut toi, tu vas bien? Bon, c'est une grande première pour moi que cette Daily Ops. Il y a eu un petit couac sur mon trajet aller, c'est pour ça qu'on n'a pas gardé toutes les images. Mais tu vas voir, il y a des belles images de nuit sur le trajet retour. C'était trop chouette pour moi de faire ce trajet avec la caméra. Ça m'a permis de voir un petit peu comment je faisais mon trajet, les jolies choses aussi qu'on voit autour. J'ai pris le temps parfois de te faire des captures de cyclistes, tu vas voir, c'est rigolo. C'est un trajet qui a été relativement paisible ce jour-là. Il faisait très beau le soir, il faisait très doux la journée. J'étais vraiment contente. Et en plus, j'avais passé une belle journée au boulot, donc ça va être chouette. J'espère que ça va te plaire. On va beaucoup m'entendre parler, pas trop en voix off finalement, mais pas mal en caméra, parce que la prise de son était bonne. Et que j'ai pris ça un petit peu comme un trajet sonore. Hein. J'ai fait ma grosse bavarde. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire. Et puis je sais pas trop quoi te raconter d'autre. C'est vrai que là les images sont pas hyper parlantes parce que c'est mal orienté, mais voilà, écoute, je te laisse découvrir les images et puis on en reparle après. C'est pas hyper cool, est-ce que Luz va s'arrêter? Le scooter non, en tout cas. Le scooter non plus, merci mec. Alors, on quitte le 16e, on va récupérer la Pompidou par le quai Louis Blériot. Voilà, j'ai un peu loupé mon tournant, mais comme ça roule fort ici, j'aime autant faire attention. Bon, allez, il n'y a personne, on y va. Tac! Ça c'est un petit raccourci, une entrée des berges pour accéder à la Pompidou qu'on a découvert avec mon collègue Guillaume à l'époque. C'est vraiment pas mal. Alors je déteste pas l'accès par le pont Mirabeau. Le problème c'est que quand je pars du boulot, il faut que je porte le vélo dans l'escalier ou je le mette de travers sur la glissière et ça me plaît pas des masses. À l'aller le matin, je passe pas par la Pompidou. Mais par contre, le soir, je la prends. Et je vais la prendre par la rue Poubelle, du nom de Eugène Poubelle, le créateur des poubelles. Et oui, il y a une rue Poubelle dans le 16e. Le sachiez-tu? Voilà, faut faire attention parce que les voitures, elles sortent vite de la pom-pom. On se rabat. Ce soir, il n'y a pas de monde, mais il arrive qu'on soit bloqué au niveau de ce feu. Donc là, je me transforme en super piétonne. Voilà, la rue Eugène Poubelle, c'est pavé, son stationnement everywhere, mais son bel accès à la pom-pom. Un peu. Hop. J'étais un peu plus téméraire que la dame. Et là, regarde-moi cette vue extraordinaire. Le petit saut de bouchon du soir et la vue imprenable sur la grande dame de fer. Et on l'aime bien. Et on a Radiohead dans les oreilles. C'est assez idéal. Alors là, on reconnaît les vélos des nantis à leur lumière très forte. Quoique je ne me défende pas trop mal non plus avec ma lampe de 70 lux. Mais j'espère que j'éblouis pas autant les gens quand même. Donc là, on arrive au niveau de l'accès de la pom-pom à la maison de la radio. Que je ne vais pas prendre puisque je continue tout droit vers le Trocadéro. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ce machin me sert juste au niveau des nichons. Je sais pas si c'est très adapté au poitrail féminin. Cette espèce de harnais sadomaso, là, comme Diane.
plus beau pont de Paris, messieurs, dames. On a quand même de la chance. Hein. Donc là, petite surprise, regarde, c'est le métro aérien qui va se synchroniser, qui va foncer dans la Tour Eiffel. On n'a pas des spectacles comme ça partout quand on est à vélo dans Paris, mais c'est justement à vélo dans Paris que tu peux capter ce genre de petits détails. Les gens et les voitures à côté, ils ne les voient pas. Et moi, c'est ce que j'aime dans la Pompidou, c'est ce genre d'ambiance totalement cinématographique. T'as pas l'impression d'être au cinéma, là ? Regarde-moi ça. Et hop. Et la Tour Eiffel va se cacher. I wanna know her, I wanna kiss her. Pas très cool, là, ce qu'il fait, là. Il est en panne, mais... She's nice a daisy. She drives me crazy. C'est là. Ouais. Faut que je fasse attention à son rétro parce que je veux pas me faire taper. Moi je le grille celui-là perso. C'est tellement problématique à cet endroit que je préfère m'avancer jusqu'au prochain feu. Et même comme les cyclistes qu'on voit au bout, jusqu'après le prochain feu. Pour être en premier pour partir. C'est pas rigolo le Trocadéro, même de ce côté-là. Il y a plein de vélos là. Alors là, ça va être... Est-ce qu'on prend la voie de bus ? Ouais, forcément. Ou est-ce qu'on prend la bicyclette ? On a pris la voie de bus ce matin. On va essayer de prendre la bicyclette. Beaucoup obligé de klaxonner malheureusement, je pense. Après, souvent il y a des bouchons au niveau du pont de l'Allemagne, donc parfois c'est mieux de prendre la piste cyclable parce qu'on va plus vite. Mais voilà, typiquement. La dame elle a pas de sonnette alors elle a hurlé. Ouais, bah ça c'est un mauvais aménagement en fait. Piéton. Cycliste. Alors que t'as vu toutes les voitures à côté, ça serait tellement simple de leur prendre une voie à toutes ces caisses pour faire une piste cyclable correcte. Mais bon, on a fait des aménagements peinture, quoi, par facilité. Et les conflits sont énormes puisque comme il n'y a pas d'aménagement correct de l'autre côté de la rue, et ben, on a énormément de cyclistes qui remontent cette piste cyclable en contresens. On appelle faire le saumon et ça crée encore plus de problèmes. Enfin, c'est pour ça que je la prends pas, moi, en général, cette piste. C'est problématique et c'est naze. Et ah bah oui, dring dring. J'aime bien quand les gens se moquent de nous. Retourne sur Cours la Reine et là on va y lire. Ah, puis regarde-moi ce coude là. Garde un lino. Voilà, un saumon. Des piétons. Compliqué. Vite, vite. Ici, vendredi soir, c'était bouché. Non, c'était samedi soir, là, là. Parce que le cours Albert Ier était fermé à la circulation à cause des manifs. Donc toutes les voitures étaient déviées. Terrible, elles étaient vénères. Embouteillage monstrueux. Les gens sortaient de leur voiture. Moi, je passais à pied, poussant le vélo, mais
Oh là là, c'était horrible. J'ai détesté. Là, on roule bien. J'adore cette piste. En plus, elle est toujours propre. Enfin, sauf quand il y a des déchets électroniques dessus, quoi. Et mine de rien, il y a de plus en plus de monde, hein. Donc là, il y a une toute petite rupture sur l'aménagement cyclable. Donc s'il y a du monde sur la route, je vais sur le trottoir, alors que c'est interdit vu que je suis en contresens. Mais là, coup de chance ce soir, il n'y avait personne. Donc je pouvais me mettre sur la voie de bus pour aller choper mon sas vélo et tourner en direction des berges de Seine. Mais c'est vraiment pas un endroit évident. C'est difficile pour nous cyclistes de nous insérer dans la circulation à cet endroit-là. Et les certains soirs, ça peut être extrêmement fatigant pour peu que le carrefour où nous nous trouvons soit entièrement bouché par les bagnoles. Souvent, je suis désolée, mais je passe à pied. On va attraper nos petites berges de Seine. Oui. On les aime aussi fort. Hop là. Et là, on voit les gens futés qui viennent de Rivoli. Qui peuvent directement prendre par là. Et là, il va y avoir encore un autre magnifique spectacle. Regardez! Voilà. Tous ces autosolistes totalement prisonniers de leur voiture, victimes, mais non pas victimes, ils sont la cause des bouchons. Et les cyclistes, jamais de bouchons. Sur cette voie, sur ces berges rive droite. C'est mon petit plaisir du soir. L'avantage de ces berges de Seine, en fait, c'est que c'est devenu une autoroute. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est vrai, mais une autoroute suppose aussi plusieurs sorties. Auparavant, les voitures avaient donc déjà plusieurs sorties. Et là, en fait, je peux choisir d'adapter mon itinéraire de retour selon mes envies, mon niveau de fatigue. J'ai le choix de sortir tout de suite après le tunnel et de remonter le boulevard de Sébastopol en direction de la gare du Nord, ce qui me fait gagner énormément de temps. Mais l'inconvénient, c'est que le boulevard de Sébastopol en ce moment est en travaux, donc ça occasionne beaucoup de bouchons, ça ne me plaît pas du tout. Et surtout, il y a énormément de circulation automobile. Attention. Mollets. J'aime bien les petits mollets. Il fait chaud la vache. C'est encore 15 degrés là au moins, c'est dingue. Ou alors, comme je vais le faire ce soir, te montrer un itinéraire plus doux, plus calme, plus apaisé, et puis le faire par la rue des Archives et par le Marais. Parce que c'est très beau, j'adore cet endroit et ça me permet d'apaiser ma circulation et de redécouvrir un petit peu ma ville. D'ailleurs, on voit que comme la soirée est douce, on a énormément de piétons qui se réapproprient bien sûr les berges de Seine et du coup
L'inconvénient saisonnier, c'est que les cyclistes qui ont besoin de rouler fort vont être bientôt ravis de l'ouverture de Rivoli, ce printemps ou cet été, on espère, pour pouvoir rendre en fait le parc Rive-de-Seine aux piétons, tout simplement. Parce qu'on voit bien que le début des berges de Seine, où il y a des bars, etc., ça devient difficile pour les cyclistes de circuler sans déranger les piétons. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait de la place pour tout le monde et que les cyclistes qui ont envie de faire de la vitesse passent ailleurs, tout simplement, pendant les temps estivaux. Par contre, évidemment, si vous voulez rentrer tranquillement et apprécier le paysage, restez sur les berges, c'est là qu'on est le mieux après tout. Super, c'est rouge. On va pouvoir voir un chaud. Donc là, je quitte les berges, l'environnement entièrement protégé, pour faire un petit peu de circulation au milieu des voitures. Mais c'est des rues zone 30, hein. On est vraiment tranquille dans le marais. Tu vas voir que la circulation va se fluidifier peu à peu. Bon, toujours un petit peu de bouchonnage en traversant Rivoli, mais ça, c'est vraiment pas grave. Et voilà, on arrive rue des Archives, qui est vraiment une rue que j'adore. Pas droit vers le nord, quoi. On s'écarte un peu. Mais ça va. Regarde là comme c'est vide. Pas de circulation. C'est trop bien. Et c'est du beau bitume. Moi j'aime pas les grandes artères, il y a trop de bruit. Ça me fatigue. Et ben là, je vais rouler au milieu parce que il n'y a pas trop la place pour dépasser. Et l'enchaînement plutôt pas bête des feux de la rue des Archives fait que de toute façon, c'est pas la peine. C'est pas trop un axe de transit en plus, c'est plus de la desserte locale du marais. Donc vraiment, c'est tranquille. On est bien passé par là. Alors là, on va voir un truc très amusant. Donc un motard qui accélère comme un gros taré. Il va essayer de se lancer. Et en fait, évidemment, je vais le rattraper au feu. Enfin, c'est assez classique. Hop, un autre qui me dépasse. Il s'arrête au feu. Classique. Et là, tu vas voir que je vais redémarrer avant eux. Ils vont me redépasser comme des foufous. Brum, brum. Et encore un feu. Voilà. Je veux dire, voilà. Bon, alors là, bon, je prends quelques libertés, mais je pense qu'il devrait y avoir un va-tout droit ici, en fait. Il n'y a aucun danger pour moi, il n'y avait pas de piéton. Celui-là, on va s'arrêter quand même. Hop là. Trop la classe. Il y a un moteur, lui ? Ah oui, il y a un moteur dans la roue. Et la petite batterie. Le faire réparer électriquement, bon courage. Après, je comprends tout à fait le besoin d'assistance sur un vélo cargo quand il est chargé. Mais on a des mollets musclés comme ceux de Frère La Route qui arrivent à enlever un Yuba rempli de marmaille assez élégamment. Alors. C'est répu, c'est pas bien le gauche. Il faudrait que j'aille sur la gauche. Enfin, un grand geste. Voilà. Ouais, parce que moi, je me dirige pas vers Voltaire, je me dirige vers Magenta, en fait. Voilà. N'importe quoi avec les vitesses, je vais avoir du mal à redémarrer. Je vais me faire gronder par les internets. Je grille plein de feux. Hop là. Bon, on attrape Magenta. Je la remonte pas jusqu'en haut, ceci dit. Hop.
là. Là, ça va bouchonner au niveau vélo, je pense, en raison des conflits inter-espèces. De toute façon, si je passe là, vraiment, c'est pas pour tracer, c'est pour être au calme. Je la prends que jusqu'à la gare de l'Est. Donc c'est à peu près la première sortie importante après cette bouche de métro. Pof. Ça frotte tout ça, monsieur, ça frotte. Ou alors c'est madame, peut-être, c'est sa dynamo. Alors le bruit, c'est terrible, mais s'il y a un truc qui vous empêche d'avancer, allez faire entretenir vos vélos, parce que là, le garde-boue qui frotte, ça la ralentit, la pauvre. Ça me fait mal au cœur et mal aux oreilles de voir ça. Allez, viens petite, je vais m'occuper de toi. À chaque fois que je vois la gare de l'Est, j'ai mon cœur qui fait maison. C'est la gare pour rentrer à Strasbourg. Un peu à la bourre du travail, ça veut dire que je ne serai pas à la maison avant 8h30 encore. Heureusement que j'ai dû manger de préparer d'avance, parce que là, pas du tout envie de cuisiner. Et là, comme ça va passer. Alors le très grand tour, c'était après Répu, de continuer par le canal Saint-Martin. Mais en fait, je t'avoue que la piste cyclable du canal Saint-Martin, je l'aime plus tellement. Elle est étroite, il y a des scooters dessus, très souvent. Il y a des gens qui vont beaucoup au bar et au resto dans ce quartier-là. Du coup, ils marchent sur la piste. Moi, j'aime pas trop les klaxonner. Et ça me fait arriver par le mauvais côté de Stalingrad en plus. Et enfin, après Louis Blanc, il y a une montée. Et moi, je suis comme Lola sur mon trajet. Les montées, je les aime pas. Donc, je ne prends pas. Il va tout droit. On l'a pas vu, mais il est bien là, je te jure. J'aime beaucoup cette rue quand elle n'est pas embouchonnée. Deuxième va tout droit. Troisième va tout droit, mais bon, là c'est vert, donc ça tombe pas. Donc bientôt ici, on aura un réseau express vélo qui va plus prendre du tout cette rue, mais qui va passer par la rue de Châtelandon. Et ça va être formidable parce que ça sera de la bidirectionnelle en site propre. Donc ça va être merveilleux. Hop là. Quand les Bruxelloises, elles vont voir ça, elles qui sont pas trop dans la circulation, en fait, je vous assure, c'est pas si terrible. Bien sûr que ça pourrait être mieux. Bien sûr que j'aimerais être en 100% piste cyclable tout le temps, mais en fait, tu vois, ça va. Et là, il y a encore un va tout droit. Zoup, zoup. Allez-y, madame. Je vous en prie.
Ok. Bah oui, pup pup. Donc ça s'arrête là parce que malheureusement je n'avais plus de batterie pour la suite, mais on t'a quand même fait un relive de mon trajet aller et mon trajet retour. Tu vois que je traverse toute la banlieue nord pour me rendre dans le 16e arrondissement. Donc sinon, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter ou qui ne sont pas sur Twitter, donc moi je m'appelle Julie, mon pseudo c'est Auprès de ma selle, et je te raconte sur mon SoundCloud, dont on te mettra l'adresse dans la barre. Dans la barre de machin, je sais pas comment ça s'appelle. Si tu veux écouter plus de trajets, plus de choses sur ma vie, de mécanicienne cycle également, et de cycliste amoureuse de mon vélo. J'espère que cette Daily Ops t'a fait plaisir, et que tu viendras mettre plein de pouces et de commentaires. Allez, bisous!